je reprends mon outil magique, l'éponge, la positionne au même endroit que tout à l'heure. Donc là, il trouve sa position d'équilibre. Donc, jambes, très bien, mi-fléchi, on essaie de garder toujours ce corps droit. Et moi, en fait, je vais me balader un petit peu à 180 degrés avec une balle de tennis. Ça peut être un ballon, ensuite on va le faire avec un medicine ball. Voilà, lui envoyer la balle de tennis, il me la renvoie d'une main, bien évidemment. Il change un petit peu, voilà. La seule consigne que je lui donne, c'est tourne le haut du corps, je ne veux pas voir tes jambes bouger. C'est un petit peu l'intérêt de l'éponge. L'éponge lui fait serrer les adducteurs, le plancher abdominal, si vraiment il est à l'aise, très bien. Et là, je lui envoie quelques contraintes. Franchement, c'est une belle qualité, il le fait très bien. On ne touche pas les talons, voilà, on voit que ça baisse un peu, respire, on n'est pas en apnée, il reste 2 secondes. Très bien, on récupère un petit peu. Il l'a bien fait. Vraiment, l'idée, c'est, voilà, le haut du corps se dissocie du bas du corps. On remarque que si on le fait sans éponge, qu'est-ce qui va se passer? Les jambes, elles vont bouger comme ça pour trouver des compensations musculaires. Ce n'est pas l'objectif de l'exercice. On le refait une dernière fois. Alors là, je ne vais pas m'éloigner. Il fait 4 kg de medicine ball. Si je me mets à 5 mètres, le pauvre, donc je reste à 1 mètre 50. Voilà, ça peut être un ballon de foot. Vous avez vu? Bascule en arrière. C'est pour ça, mettez-vous pas trop loin. Serre les genoux, plus fort. Serre les genoux, ça doit brûler les adducteurs. Serre les genoux. Plancher abdominal, abdos inférieurs. Serre les genoux, 2 secondes. Super.